vers le haut comme ceci. Au niveau des yeux. Des yeux ou non, c'est pas des yeux, c'est des oreilles. Ça, enfin, ça ressemble à bon. Bon, c'est un peu bizarre, mais ça le fait pour le moment. Ça le fait. C'est quoi ça? L'art vieux, ok, d'accord. Ça, j'ai pas l'impression que c'est des non. Ça, c'est juste de la déco en fait. C'est pas ok. On peut avoir des mains. On peut avoir des mains. On va garder nos... Oh non. On va garder nos bras comme ceci. Regardez une créature relativement petite. On va garder comme, comme précédemment, c'est-à-dire écarté et... voilà. Franchement, j'aime bien ce style. J'aime bien ce style. Sans... Je sais pas. Ça me fait marrer. Ça me fait marrer. Bon, c'est pas forcément sympa, en fait. Ouais. Bon. On va un peu agrandir notre créature. On va... un peu l'agrandir. On va y mettre des mains. On va quand même y mettre des mains parce que sinon c'est pas cool. Donc pour les mains, j'ai envie quand même de la hop à faire une créature quand même. Ouais, on va faire une créature assez grande. Non, allez, on va éviter les bêtises, on va faire quelque chose qui... Ah, je sais pas, j'ai envie de faire quelque chose de fantasy, mais... Quelque chose qui a du sol quand même. Bon, allez, quelque chose quand même dans les bonnes proportions. Pour pas dire de faire de bêtises. On va quand même prendre une créature assez large comme ceci. Et on va mettre... Et alors, faut que je fasse également attention au niveau. Alors là, par exemple... On a pause niveau 2. Ce qui veut dire que je vais vendre les mains pour mettre plutôt celle-là. Ah non, non, ça c'est... Ouais, non, ça c'est des mains, ça. Non, non, il me faut des pieds, moi. Donc il me faut des pieds, donc c'est ces pieds là que je veux. De chaque côté, voilà. Et... on va prendre des mains assez bizarres. Et j'aimerais qu'on redresse notre créature. Voilà, bah à la limite, voilà. On va faire un... Voilà, ouais, on va faire quelque chose un peu d'humanoïde. On va faire quelque chose de relativement humanoïde. Par contre, t'as une scoliose, mon gars. On va juste essayer de... Reste-toi quoi, je veux dire. Ouais, quoique non, légèrement courbé, et puis ouais, alors, juste. Hop, comme ceci, et lui. Non, pas ça, c'est la vertèbre que je veux, voilà. On va abaisser ceci, et là, un peu moins courbé. Voilà. Ok, là on commence à avoir quelque chose de sympa. Mais franchement, on peut modéliser à fond de blinde quoi, c'est hallucinant. Moi j'adore, franchement j'adore. Alors au niveau des mains, on va virer les mains actuelles pour mettre les mains dont je parlais
tout à l'heure. Oui, t'en fais pas, gueule pas. Oui, t'es content, t'es content. Allez, au niveau des pieds, est-ce qu'on a des choses un peu plus sympas? On a sprint de niveau 2, ça peut être sympa. Bon, on n'a rien concernant la danse. Alors moi, je serais d'avis à prendre cela. On a la furtivité sinon. On a de la vitesse de niveau 2 ici. Ouais, franchement, je pense que c'est celle-là les mieux. Donc on va virer ces pieds-là. On va mettre cela. Ouais, il est content. Niveau... Faut quand même qu'on puisse se défendre. Faut quand même qu'on puisse se défendre. Donc... Donc on va se mettre quand même des cimetières aux mains quoi, quelque chose de badass, voilà, histoire qu'on puisse ou pas forcément là, au niveau des coudes par exemple, voilà, histoire que notre créature elle donne des coups de coude et puis elle se défend comme ça quoi, enfin j'en sais rien. Voilà, des trucs un peu comme ça, puis plus dans le sens, voilà, du prolongement des bras. Comme ça, voilà, comme ça fait vraiment. Ouais, non, c'est sympa. Moi, je préfère. Ouais, ça, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ouais. Ouais, non, pas. Quelque chose d'assez subtil. Hein. Voilà. Oh, cool, comme ça. Ouais, voilà. Comme ça. Ouais, sympa. Ça, j'aime bien. Juste un peu plus orienté comme ceci. Allez, on va dire que c'est comme ça. Allez. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai... Ça, c'est des trucs fantasy, ça. C'est des trucs fantasy, mais ça peut peut-être nous aider pour les chants, les... pour le charme. Pom pom, ouais. On a les plumes, par exemple. Ça, la plume, ça... Non. Ouais, ça augmente un peu en charme, mais c'est pas... Pas génial. Genre tiens, je sais où est-ce qu'on va mettre ça, je sais où est-ce qu'on va mettre ça, voilà, là, ici, c'est parfait. On va juste retirer deux vertèbres, redresser un petit peu plus notre créature quand même. Voilà, ok, moi ça me convient comme ça. Alors attendez, parce qu'il nous reste encore 75 en plus de trucs, alors on va peut-être pouvoir mettre un peu plus de défense quand même. Parce qu'on va forcément se faire défoncer à arriver à un moment. On va forcément tomber sur une créature hostile. Et pour le moment, on n'est pas équipé pour. Donc il faut qu'on puisse se défendre. Donc on a ces boules là. On a ces boules qu'on va mettre au niveau des genoux. Parce que voilà, parce que ça... Niveau là? Non, je déconne. Ouais, attendez. On met juste un... Dans le dos. Oh non. Au niveau des mains, c'est déjà surchargé. On va mettre au niveau des genoux. Je sais pas pourquoi, ça me parle. Mettre des boules comme ça au niveau des genoux. C'est bizarre, mais... Bon, voilà. C'est vraiment sur les membres qu'on met les attaques, quoi. Derrière, on n'a aucune défense. Notre créature, si elle se fait attaquer par derrière, c'est... Laisse tomber. Donc, on va... Le cimetière, c'est vraiment pas mal, hein. Allez, on va mettre un cimetière, genre, dans le dos. Voilà, comme ça. Un petit peu comme les... Ouais, ça me plaît bien.
Comme ça il fait un peu une queue, un petit peu comme les tricératops. Enfin, non, c'était quel dinosaure qui avait une masse au niveau de la queue? Je sais plus. Enfin voilà, vous voyez un peu le genre. Ça me parle, ça. Je trouve ça cool. Voilà, comme ça, puis voilà. Puis bien aiguisé, voilà, très bien. Enfin, juste mettre une petite corne derrière la tête, là. Voilà. Oh oui! Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ouais, comme ça. Ouais, j'aime bien ça. Allez, hop. Bon, par contre, c'est plus du tout un bipède, donc c'est... je sais pas, moi, le... Allez, hop. Cornu erectus, voilà. Parce qu'il y a pas mal de cornes quand même. Allez, on va faire ça. On va faire ça. Je crois que j'ai passé une demi-heure à ça. Je crois que j'ai passé un épisode complet à modéliser cette nouvelle créature. Ah, j'aime bien le style, n'empêche. J'aime bien son style. Les couleurs quand même. J'aurais dû c'est peut-être revoir les couleurs. Parce que le rose fuchsia là, ça fait un peu gonzesse. J'ai rien contre vous, mesdames. Mais avouez que voilà quoi. Ok, donc là on a les pauses. Donc ça nous fait un peu tuto. Donc ça c'est la frappe. Ça c'est la charge. Ça c'est la danse. Ah oui, ok, oui, c'est un petit... Oui, en fait, on était petit, donc on a fait un apprentissage. Bon. Moi, je veux une meute. Je veux une meute parce que je veux plus partir à l'aventure tout seul. Ok, c'est un chat. Ok. Bonjour, bonjour. Vous avez ajouté une créature à votre meute. Chantez, chassez, chantez, dansez. Elle vous suivra partout. Ok. Ça, c'est sûr que ce soit une bonne idée. Allez. Alors, on va aller voir les créatures qu'il y a de l'autre côté de cette colline. J'aime bien la démarche. Allez, hop. Ok, et elle chante. Donc là on commence à avoir leur sympathie. Bon, ça va, elles sont pas très...
Ok. Donc les... C'était les blatta... les blattardos. Apparemment, j'ai encore un objectif, il faut que j'en étonne un. Donc est-ce que eux ont un cimetière? Ouais, apparemment. Un cimetière, c'est des ossements, quoi. Attendez, je veux juste recadrer ma caméra. Alors, ok, donc là, pour le moment, on n'a que des alliés autour de nous. On va retourner du côté des blobs, là. J'ai pas retenu le nom. Les noms sont assez random et bizarres. Hein. Bon, pour le moment, on n'a pas de créature. Ici, il n'y a rien. Il y a pas grand-chose. Bon, donc, direction, pas par là, tout par là. Donc c'est ça, c'est de la découverte, c'est de la négociation avec les créatures. Oula! Ok, d'accord. Elles étaient plus ou moins hostiles. Elles sont relativement hostiles, mais voilà, mais on peut les apaiser. Ok. Donc là, ça va. On avait des créatures hostiles, mais deux sympas. D'accord. Ah oui, je sais pourquoi. C'est parce que j'avais vu dans leur nid, mais apparemment, il y avait un œuf en attente. Non, c'est ça. Ça, à mon avis, qu'elles étaient hostiles. Mais bon. Ok, on récupère masse d'éléments quand même. Hein. Mais il y en a quand même une sacrée chopée en même temps. Hein, donc, va falloir aussi qu'on se nourrisse. Je sais pas si vous avez vu la quantité de bouffe, mais. Ok, là on est rassasié. Donc on va pouvoir aller voir encore une autre tribu. J'ai vu une autre tribu là. Voilà, juste là. Ok, les tapirs verts. Donc, bonjour messieurs. Je vous coupe juste ça avant. C'est une danse. Merde.
m'en doutais qu'on serait attaqué arrivé à un moment, mais... Ah, on est devenu des omnivores. D'accord, ok, ouais, non, je suis... Non, 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 surtout pas, surtout pas, surtout pas. Les créatures là qu'on vient de croiser, il va falloir enfin, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Apparemment, il y a deux d'entre eux qui nous ont attaqué. Là, on va retourner à notre tribu, aller chercher un deuxième membre, enfin un troisième membre en fait, avec nous. On va aller voir un petit peu là-bas. Ça a l'air d'être là-bas les créatures qui nous ont attaqué. C'est tumultueux, mais on peut y arriver. Donc ça, c'est de la danse. C'est récupérer les eaux. Et peut-être passer au suivant. Ah, je vais quand même essayer un autre. Eux, c'est la danse. Ah non, attendez, on va chanter, hein. C'est faire que ça. Là maintenant ils sont sensibles au chant, donc ouais, ça le fait, ça le fait, ça le fait. D'accord, donc grâce au chant des sirènes là, en fait le truc qu'on a, on peut les forcer un petit peu à apprécier la musique entre guillemets. Donc oula. Bon, ça a pas l'air hostile. On va... Ok, ça c'est de la pause. On est pas doué pour ça, mais... Ah bah ça, on est doué. Ok, on va juste récupérer les ossements.
Et pour le moment, il y a juste une prise de contact et rien de plus. Des choses qui arrivent, hein. Go back. Mais je pense qu'il va falloir qu'on évolue. Je pense qu'il va falloir qu'on évolue parce que sinon... Charme, ok. Oh bah ça va, tranquille. Putain, ils peuvent voler eux. Ah ça, ça serait sympa. Ça c'est du charme. Un petit dernier. Ah bon, ça va. Ils sont pas contraignants. Eux. Bon, faut que je surveille ma barre de bouffe, hein. Ça toujours. Ah tiens, justement. Donc là-bas. Oula. Ça c'est le créateur que je viens de voir en fait ça. Ouais, donc eux, ça va pas être terrible. On va retourner à la base. Pas par là, c'est par là. Et on va évoluer, on va améliorer un petit peu tout ça. Ah bah attendez, il y a une nouvelle espèce là qu'on ne connaît pas. Voilà, plus ou moins seulement donc. Oh ça s'est joué un peu. Ok, ils se mettent en bande en fait quand on les interpelle, donc on va aller ailleurs. Voilà, on va retourner à la base. Oups, attendez, je viens de voir un truc. Oui, c'est les balles Rayatou là. Ok. Bon, on est toujours des ovipares apparemment, hein. On le sera toujours, hein. Ça vous sentez pas. Acro-lumière. Ça ressemble à quoi ça? D'accord, ok, c'est le truc de mouche apparemment ou quelque chose dans le genre. Putain, on a masse points là.
Ah oui, on a ça aussi. Étranger. Ah, étranger mignon. Ah d'accord, ok. En fait, oui, c'est pas du tout. Et ça, c'est. Ouais, donc ça, c'est les trucs de sport. Et j'ai les trucs, ok. Et j'ai les fameuses améliorations. Enfin, les trucs. Les trucs bonus des mignonnes que je vous ai. Enfin, ouais, je pensais que c'était mignonne parce qu'on pouvait avoir des sbires, en fait. En fait, non, rien à voir. C'est mignon, simplement. C'est en français. Ok. Donc non, on va rester là-dessus. Donc déjà ça, ah, quoique ça, ouais, ça on va le garder. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors juste c'est tout ce qui est danse, tout ce qui est chant. Il nous faut des choses un peu plus sympa. Donc actuellement j'ai ça, c'est ça, hein. Non, j'ai pas ça, j'ai. C'est quoi le truc que j'ai? Bon. Là, j'ai pause niveau 2. Donc, c'est ça que j'ai actuellement. Est-ce que j'ai mieux que ça? Là, j'ai de la frappe, c'est pour de l'attaque. Là, j'ai pause niveau 3, donc j'ai mieux. Ok. Niveau des pieds, là j'ai sprint niveau 3, danse niveau 2, donc ça c'est mieux. Donc ça c'est mieux. Ensuite. Ça c'est niveau 3, allez hop, on va virer ça, on va mettre ça à la place. Parce que si on se fait attaquer encore, ça a l'air d'être plus balèze que ça. Ça c'était combien ça, niveau 1? Ouais, donc ok, donc ça je vire et je mets ça à la place. Et ça niveau 2, et ça charge niveau 1, hop, je vais remplacer ça par ça. Vais juste bien le replacer parce que c'est affreux. Voilà. Et un peu plus derrière la tête. Je veux un truc immense. Ouais, vers l'arrière, comme ça. Assez fin. On peut se faire une licorne en fait si on veut. ça pareil, ça je le virais. Non, non, j'ai pas. Bah non, en fait je le garde en fait. Ok. Pire bouchon là si je veux pour charme 3, mais bon, j'ai plus assez, donc écoutez, on a suffisamment fait évoluer notre créature pour évoluer, pour avancer dans le jeu. Votre espèce s'en va pour un autre nid. Suivez-les pour vous reproduire et installer votre nouvelle base. Ok, d'accord.
Voilà, comme ça j'ai mon clan au complet. Alors, vous voyez sur la minimap, en fait, j'ai changé de nid. Mais on s'en fiche, je vais aller voir les autres espèces. Bah, de toute façon, il y a d'autres espèces sur la route. Donc, je vais aller voir ceux-là. Non, on va aller d'abord aller voir ceux qui sont les plus éloignés. Comme ça, on n'aura pas à y retourner. Ils sont là. Tant pis, la prise de contact a été faite, ça s'est mal passé, c'est tout. Ouh, ça a pas l'air beau ça. Oh putain, mais ça vole en plus. Ça, ça serait génial ça. Oh non, ils se mettent en groupe et tout. Ça c'est de la danse. Oh merde, bon allez. Ok, donc ça c'est foutu. Il y a une autre espèce là-bas. Ah ouais, c'était cela. Ça va, on a le niveau, on a le niveau. Non, j'ai annulé. Bon, ça c'est rien, on s'en fiche, ce qu'on veut, c'est de l'évolution. Je sais pourquoi on est là. Mon dieu, quelles affreuses créatures. Ah, on a de l'épice là. Oula, 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 les orang-outans, on se casse, on se casse. Je sais plus si on peut traverser l'eau. On peut, on sait nager. Bon, ça c'est déjà pas mal. Des singes. On va essayer. Non, on est des merdes. Allez, t'es arrêté, on se passe. Allez, hop. Passer à côté, on est là, ok. Ce nid vous appartient, les générations futures, ils naîtront. J'aimerais quand même voir ce qu'on voit à l'attaque.
J'aimerais au moins attaquer une espèce. Donc on va aller attaquer l'espèce qui est là-bas. Les Baba Boys. Ça va, on a l'air assez relativement balèze. Ok, j'ai la dalle en fait. J'ai pas vu que j'avais la dalle. Ouais non, là j'ai dégueulé là. Ah, il reste un baby boy. Bon bah l'attaque on vaut quelque chose. Au moins on le sait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change de tactique et on devient plus agressif? Antilope alpha. Écoutez, ce que je vous propose c'est on essaye d'abord la diplomatie, et si ça va pas, bah on change. Oh merde, en faisant ça je recommence. Bon allez, on recommence. Bon c'est bon, j'ai gagné. Et...
Allez, on va le suivre. On y retourne, hein, de toute façon. Non, on va changer de tactique, on va devenir... C'est plus rapide. Franchement, c'est plus rapide, je pense, de... d'être agressif. C'est les Gottman en plus. Non, non mais arrête de bouffer ça. Il en reste un là-bas. Il faudrait également qu'on évolue vers du carnivore en plus. C'est quoi ça? C'est assez bizarre. Ça a l'air d'être les créatures, mais elles sont bizarres. Oula. Les bouloubous. D'accord, je sais pas ce que ce sont des bonobos. On va essayer. On va essayer sympa et puis après. Ah, excusez-moi, j'ai un appel, je pense que je vais devoir couper. Ah bah c'est bon, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ok, très bien. Je vais juste vous demander un petit instant que j'aille répondre au téléphone. voilà, donc on avait commencé les bouloubous. Ça va, pour le moment on gère donc... Tout ce qui m'a l'air hostile.
Ok, on se le fait. Oh putain! One shot quoi. Putain, hostile! On va voir pour encore évoluer prochainement. On a un truc plus badass. Parce que là, faut avouer que la créature là nous a défoncé quoi. Ok, il y a apparemment un nid en haut de cette colline, mais je vois pas comment on va pouvoir y accéder. Monsieur, hostile? Bah, c'est faux, ainsi soit-il. Bon, bah, défoncez. Qu'on évolue. On va devenir plus agressif. Et peut-être même évoluer plutôt en carnivore et défoncer un peu plus là parce que voilà quoi. Le chant, tout ça, c'est marrant, mais le sang, c'est plus marrant. Donc, je suis amoureux. On va carrément changer de créature. On va refaire un petit peu de modeling et on va se transformer en quelque chose d'assez badass. Ok, alors on va tout virer. On va tout virer, on va tout faire. Encore une fois. Donc là, ce phallus va devenir quelque chose de badass.